Jen. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ et bienvenue dans cette émission Sentinelle de prière qui est donc votre émission consacrée à la prière. C'est une émission qui est consacrée non seulement à la prière, mais également à l'étude de la parole de Dieu. Je suis le pasteur Jean Colbert Kindenge et c'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je vous retrouve en ce jour pour une nouvelle aventure spirituelle. Peut-être êtes-vous fatigué, peut-être êtes-vous sur le point d'abandonner. Ne le faites pas. Car à la fin de cette émission, je veux croire que la perception des choses sera différente pour vous. Nous allons ensemble étudier la parole de Dieu, nous allons ensemble prier l'Éternel et je veux croire que dans sa grâce, il répondra favorablement. You are all welcome in the mighty name of Jesus Christ as you are about to start this wonderful program called Sentinelle de prière. Here we are to pray, to seek God's face and to praise the name of our Lord Jesus Christ. So maybe you are tired. Maybe you are about to give up. Don't worry. Jesus Christ is able to change your life completely. My name is Pastor Colbert, and it is a pleasure for me to be with you. You have to do two things. First, to like the program. Second, to share the link. Do it, and you'll be blessed in Jesus' name. Shall we pray? Lord Jesus, as we are about to start this program, we pray in the name of Jesus Christ that you should be the overseer of this program, so that at the end of it, we may have all the reason to bless your name. In Jesus' mighty name we prayed. Amen. Amen. Comment a été la nuit? Comment a été ces moments que vous avez passés à dormir? Je veux croire que cela s'est bien passé. Pour ceux dont il est tard dans la nuit, je vous souhaite d'avoir une agréable nuit juste après cette émission. Comme il est de coutume, nous allons chanter, nous allons célébrer le nom de notre Seigneur, car le Seigneur que nous servons siège au milieu de la louange. Alors nous allons le faire en exécutant notre chant à Yann et Douma. Question pour nous de souhaiter la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui se connectent à l'instant. À Yann et Douma. Thank you.
Yanné Douma, gloire à Dieu. Ayane et Yanné Douma, Ayane, gloire à Dieu pour ce chant. Et je voudrais vous encourager tous à chanter, célébrer l'Éternel dès le lever du jour. Et vous verrez, vous vous sentirez plus léger pour le reste de la journée. Les problèmes, il y en a, les difficultés, il y en a, les incompréhensions, il y en a. Mais on peut prendre la décision d'être heureux. Alléluia. Le bonheur est un choix. On ne peut pas subir le bonheur. On peut décider d'être heureux malgré les problèmes. Malgré les difficultés, on décide d'être heureux parce qu'il viendra un jour où on ne pourra plus décider. C'est quand la mort aura frappé à notre porte. Mais pendant qu'on est vivant, malgré les problèmes, malgré les difficultés, il est possible de décider d'être heureux. Alléluia. Je regardais un documentaire dernièrement et j'ai vu un homme qui n'avait pas de pied, il n'avait pas de main. Et pourtant, il était heureux de vivre. Il savourait chaque seconde de sa vie. D'ailleurs, il est devenu un instrument puissant parce qu'il tient des conférences et motive d'autres personnes qui, eux, ont deux pieds et deux mains. Nous avons toutes les raisons de nous plaindre, mais en réalité, nous n'avons aucune raison de nous plaindre. Are you getting the point? Nous avons toutes les raisons de nous plaindre, mais en réalité, nous n'avons aucune raison de nous plaindre. Le simple fait d'avoir le souffle de vie est une bénédiction extraordinaire. Alors, sachant profiter chaque jour des bénédictions de Dieu qui se renouvellent dans nos vies. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes bel et bien dans votre émission Sentinelle de prière. Cette émission qui permet une connexion permanente avec Dieu tous les jours, c'est-à-dire de lundi à vendredi, nous émettons en vue de consolider cette relation que nous avons avec notre Dieu. Pendant cette émission, nous chantons, nous étudions la parole de Dieu et nous prions les uns pour les autres. Alors, soyez les bienvenus. Depuis le début de cette semaine, nous parlons d'un thème intéressant. Nous parlons des 7 types de chrétiens. Nous avons pu énumérer 7 types de chrétiens, car oui, je le répète encore, nous avons le même Dieu, la même foi, mais nous ne vivons pas de la même manière notre spiritualité. Et donc Dieu voudrait nous adresser ces lettres afin qu'elles puissent nous réveiller. Il n'est pas question ici de blâmer quiconque ou de pointer un doigt accusateur. Mais il est question ici que chacun puisse faire une introspection et voir quel est l'état de sa vie, quelle est sa situation en face de son Créateur. Nous avons élaboré depuis le début de la semaine et je voudrais que nous puissions écouter la révision de ce que nous avons eu à dire ici même avant de pouvoir continuer avec l'émission d'aujourd'hui. Écoutons et soyons richement bénis. Oh, beaucoup parmi nous avons déjà enterré nos rêves. Beaucoup parmi nous ne rêvent plus, Seigneur. Beaucoup parmi nous sont sur le point d'abandonner. Beaucoup sont même sur le point de se suicider parce qu'étant rempli de détresse et de désarroi, Seigneur. Si tu as ressuscité Lazare, Seigneur, tu peux encore ressusciter nos rêves. Tu peux encore ressusciter nos espoirs, Seigneur. Tu peux encore ressusciter cette envie de vivre, cette envie de vivre pour t'adorer et pour te louer. Ils ourdiront des plans contre toi. Ils creuseront des fossés pour t'y voir tomber, mais ils tomberont eux-mêmes dans les fossés qu'ils auront creusés contre toi. Ils seront surpris de te voir prospérer à tous égards, mais ne sauront pas que tu sers un Seigneur qui est au-dessus de tout Seigneur.
Si tu as ressuscité Lazare, Seigneur, tu peux encore ressusciter nos rêves. Tu peux encore ressusciter nos espoirs, Seigneur. Tu peux encore ressusciter cette envie de vivre, cette envie de vivre pour t'adorer et pour te louer. Certains acteurs se disent étonnés du fait que dans la société, on les confonde à leur personnage parce qu'ils jouent tellement bien leur rôle qu'ils finissent par ne plus être dissociés du rôle qu'ils interprètent. Oh, combien sommes-nous hypocrites aujourd'hui? Nous faisons semblant. On peut faire semblant devant les hommes, réalité, mais peut-on se cacher devant Dieu? La raison pour laquelle l'Église se meurt tous les jours. Et ici, quand je parle de l'Église, je parle de notre vie spirituelle de manière individuelle. Vous allez donc comprendre pourquoi notre vie spirituelle se meurt tous les jours. En réalité, quelqu'un disait « Je n'ai point connu de plus hypocrite que les acteurs, que les comédiens ». C'est ceux-là qui ont la capacité de porter des masques, de jouer des rôles à la perfection. D'ailleurs, certains acteurs se disent étonnés du fait que dans la société, on les confonde à leur personnage parce qu'ils jouent tellement bien leur rôle qu'ils finissent par ne plus être dissociés du rôle qu'ils interprétaient. Eh bien, l'hypocrisie, c'est cela. C'est le fait de jouer des rôles, c'est le fait de porter des masques, c'est le fait de déguiser son véritable caractère. Oh, combien sommes-nous hypocrites aujourd'hui? Nous faisons semblant. On peut faire semblant devant les hommes. On peut passer pour être ce que l'on n'est pas en réalité, mais peut-on se cacher devant Dieu? The problem with many of us today is that we need power in our spiritual life. We need power in our secular life, but we deny God, the owner of this power. Are you getting the point? It can't work like that. If we need power, if we need to be powerful, conqueror, victorious, we must abide in Jesus Christ. The word of God is clear. The Bible says, I know your works. I know that you have that little power. But I know that you kept my word and didn't deny my name. For God, the most important thing is not to have the power because He is a powerful God. Are you getting the point? The most important for God is for you to be obedient through His word. Okay? When God says go, just say, I will go. Whether you are powerless, whether you are useless, just say, I will go. By going, God is going to empower you. Are you getting the point? And you'll be more than victorious. The problem with many of us today is that we need power in our spiritual life. We need power in our secular life, but we deny God, the owner of this power. Are you getting the point? It can't work like that. If we need power, if we need to be powerful, conqueror, victorious, we must abide in Jesus Christ. And so that's why Jesus is thanking this church of Philadelphia. He's giving them praise, saying, you didn't deny my name. You kept my word. Though you have that little power, I do appreciate. What is your condition right now? What are you looking for in your Christianity? Are you looking for power or are you looking for obedience and faith towards God? You must ask yourself this question and give an answer. You must ask yourself this question and give an answer. What is the purpose of your life on earth?
That's very, very important. As children of God, we must know the reason why we are living on earth. Nous avons besoin de le savoir. Je bénis le Seigneur pour les études que nous avons ici tous les jours et pour l'inspiration qu'il donne afin que la vie spirituelle de plusieurs soit impactée positivement. Vous avez regardé ces courtes vidéos que nous produisons tous les jours de lundi à vendredi et que vous pouvez recevoir à travers vos numéros WhatsApp pour les partager parce qu'ils peuvent être une source d'inspiration pour ceux qui passent par des moments difficiles. Alors si vous voulez avoir ce type de vidéo, n'hésitez pas à nous contacter et c'est avec plaisir que nous partagerons avec vous tous les jours ce type de petites vidéos de motivation et d'encouragement. N'oubliez pas, cette semaine nous parlons des sept types de chrétiens. Et tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a des chrétiens qui sont téméraires, des chrétiens qui sont debout, qui ne veulent pas se faire emporter par la corruption, par la compromission, par tout ce qu'il y a de mauvais, des chrétiens qui se mettent debout et qui luttent pour la vérité et la justice. Il y a aussi des types de chrétiens qui sont corrompus, qui donnent l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force et la puissance. Nous avons des chrétiens qui semblent être ce qu'ils ne sont pas, des fins hypocrites, des tacticiens. Ils montrent un visage et pourtant, ils en ont un autre. Nous avons vu l'église de Sardes qui était la maison du diable. Ces chrétiens qui n'en sont pas. Ils abordent le nom de chrétiens, mais en fait, ce sont tout, mais sauf des chrétiens. Nous devons faire attention. Nous sommes tous dans le bateau appelé christianisme, mais nous ne sommes pas tous en train d'aller vers la même destination et direction. Souvenez-vous que c'est bel et bien au milieu des disciples de Jésus que devait venir celui qui allait le vendre. Faisons attention et soyons à l'image de ce que le Seigneur attend de nous. Je voudrais que nous parlions aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de la dernière lettre qui fut adressée à l'église de la Odyssée. Cette lettre révèle le caractère de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et vous allez en être surpris à plus d'un titre. Lorsque vous ouvrez votre Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14, la Bible dit ceci. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voici ce qu'il dit en substance. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni chaud ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. C'est le statut de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Et le Seigneur dit au verset 16, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Allons-y pas à pas. Le chrétien, il est là. Il est présent à l'église. Il fait même des fois des prières. Sauf qu'il n'est pas engagé. Il n'est pas avec Dieu à 100%. Il y a des jours où il décide de ne pas aller à l'église, il y a des jours où on décide de ne pas véritablement faire ce qu'il a fait, mais il y a des jours où nous sommes totalement engagés, nous sommes mi-figue, mi-raisin. Le Seigneur dit que nous avons besoin de choisir, parce qu'il ne voudrait pas être dubitatif à nous chercher soit à gauche, soit à droite. La malice. Le Seigneur ne coopère pas avec ceux qui sont malicieux, avec ceux qui sont instables, avec ceux qui sont de nature à changer d'avis à tout moment.
Tu n'es ni froid, ni chaud. Je te conseille de prendre position et de ne pas rester tiède. Vous savez, la neutralité, c'est de ça dont il est question dans ce test. La neutralité de beaucoup d'entre nous est un péché. Je vais le répéter. La neutralité chez beaucoup d'entre nous est un péché. Vous savez, vous trouvez deux personnes en train de lutter, en train de se bagarrer, en train de se déchirer. Et ce que vous trouvez à dire à l'une des personnes, c'est que vous avez raison et à l'autre, vous n'avez pas tort. Parce que vous voulez conserver une certaine neutralité, vous parlez beaucoup pour en fait ne rien dire et vous n'arrangez pas la situation qui est en train de prévaloir devant vous. Beaucoup de chrétiens sont donc engagés dans ce style de vie. On ne condamne pas les pratiques déviantes, mais enfin de ne pas s'associer à ces dernières. On ne condamne pas l'immoralité, mais en même temps, on fait semblant de ne pas être opposé à cela, quelque mesure que ce soit. Nous avons besoin de prendre position, car la neutralité ne vient pas de Dieu. La neutralité ne vient pas de Dieu. Voici la définition qui est donnée de la neutralité. Est dit neutre celui qui s'abstient ou refuse de prendre position dans un débat, refuse de prendre position dans un conflit opposant plusieurs personnes, plusieurs thèses et plusieurs partis. Le fait de refuser de prendre position, c'est le fait de s'inscrire dans la neutralité. Et je vais paraphraser une citation qui me vient à l'esprit, qui semble dire « Celui qui ne défend pas le faible sous prétexte de sa neutralité acquiesce l'action du prédateur. » Celui qui ne défend pas le faible sous prétexte de sa neutralité acquiesce la brutalité du prédateur. Il n'y a donc pas de neutre. Il y a un pays qui a acquis sa réputation pour le fait d'être neutre dans toutes les guerres et dans tous les conflits qui sévissent dans le monde. Mais ceci n'est qu'une lapalissade, parce qu'en réalité, personne n'est neutre. Personne n'est neutre. On a une opinion que l'on masque et l'on fait semblant. Ça s'appelle la politique. Ça s'appelle la démagogie. Ça s'appelle également le fait de jouer à double jeu. Combien de chrétiens sont-ils à être dans ce cadre de ceux qui ne sont ni chauds ni froids, de ceux qui sont tièdes? La parole de Dieu dit que le Seigneur vomira de sa bouche tous ceux qui sont ni chauds ni froids, mais qui sont tièdes, car le Seigneur ne supporte pas la tiédeur. La tiédeur entraîne au découragement et à l'abandon. Lorsqu'on est tiède, on n'est pas motivé. D'ailleurs, j'ai une autre définition de la neutralité. La définition dit: le neutre, c'est celui qui n'a pas de charge électrique. Alléluia. C'est celui qui est dépourvu de passion, d'originalité. C'est celui qui reste froid, ne montre pas ses sentiments. Celui qui n'a pas de charge électrique. Lorsqu'on est un chrétien et qu'on l'on est neutre, en réalité, on n'a pas de charge électrique, que dit, on n'a pas de charge du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit en nous ne peut pas nous pousser à rester silencieux quand un enfant est torturé. Le Saint-Esprit en nous ne peut pas nous pousser à rester silencieux quand devant nous se joue une injustice. Le Saint-Esprit en nous ne peut pas nous pousser à rester calme quand l'injustice est criarde dans les sociétés, dans les églises et partout ailleurs. La neutralité, puis-je le répéter une fois de plus, n'est pas de Dieu.
Oh non, ce n'est pas mon problème. Je ne me sens pas concerné. Je suis neutre dans cette situation. Si le Seigneur Jésus-Christ avait décidé de rester neutre face à notre condamnation, car en réalité, le salaire du péché, c'est la mort. S'il avait décidé de rester neutre, où serions-nous aujourd'hui? Le Seigneur a pris sur lui de descendre sur la terre, de mourir comme un brigand, afin que toi et moi soyons sauvés. Le Seigneur ne s'est pas cantonné sur la neutralité. Je voudrais le dire ici sans embâge. Tous ceux qui sont des partisans de la neutralité font preuve de faiblesse, mais surtout de connivence avec l'oppresseur. Et l'oppresseur en ce qui nous concerne est le diable. Soit on est pour Dieu, soit on est contre Dieu. On ne peut avoir deux maîtres à la fois et il n'y a pas de neutralité. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Il n'y a pas de zone grise. La parole de Dieu continue en disant, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Alléluia. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Notre vie est tellement dormante. Notre vie est tellement lente, simplement parce que nous sommes tièdes. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui, de la même manière qu'il a eu à inviter l'église de Laodicée, à se réveiller et à travailler avec ardeur et pas avec tiédeur, à travailler pour le second avènement de Jésus. Je vais inviter le peuple de Dieu à ouvrir ce dernier texte que nous allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 10. Amen. Jérémie chapitre 48, voilà, le verset 10. Jérémie chapitre 48, le verset 10. La parole de Dieu dit, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Je ne sais pas pour vous, mais la parole de Dieu est claire. « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Je voudrais que nous puissions noter deux choses. Celui qui est maudit, c'est celui qui fait l'œuvre de l'Éternel. Soyons clairs, le texte est clair. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Celui donc qui est maudit fait l'œuvre de l'Éternel. Il est membre de l'Église, il est chrétien, il participe au royaume. Mais il y a un détail. Le détail, c'est celui qui fait avec négligence. Celui qui fait avec tiédeur. Celui qui n'est ni chaud ni bouillant. Celui qui fait quand même. Celui qui essaye. La nonchalance, la négligence. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. On est diacre à l'église. On choisit les jours où on peut rendre service à l'église. Maudit soit celui qui fait avec négligence. On est pasteur. On choisit des jours où on peut aller à l'église. On choisit certains membres à qui l'on peut rendre visite. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. À quelque capacité que Dieu nous ait placé, nous avons besoin d'avoir ce zèle, cette ardeur à servir Dieu, car il n'a pas retenu ses efforts, il n'a ménagé aucun effort pour nous sauver en mourant sur la croix de Golgotha.
Alors ces chrétiens qui servent Dieu seulement quand tout va bien dans leur vie et qui maudissent Dieu en face quand ils font face aux problèmes, ces chrétiens-là, Dieu les vomit. Et je prie le Seigneur que tu ne fasses pas partie de ceux qui bénissent Dieu que lorsqu'ils sont dans la joie et qui le maudissent lorsque les difficultés arrivent. N'oublie jamais ce test. Jérémie chapitre 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et je prie le Seigneur afin que désormais tu sois un homme, une femme active pour le Seigneur, que tu sois bouillante pour le Seigneur, que tu sois zélé pour la cause du Seigneur. Car celui qui aura honte de Jésus sur cette terre, le Seigneur aura honte de lui. Je prie le Seigneur afin que tu sois chargé d'électricité, que tu sois chargé du Saint-Esprit. Que la passion de Christ et la passion pour Christ ne s'éloignent jamais de toi. Je prie le Seigneur afin que tu sois d'une originalité singulière dans le service que tu rendras à Dieu. Je prie le Seigneur afin que tu ne puisses jamais rester froid face à la difficulté des autres. Le Seigneur dira, je changerai ce cœur de pierre en cœur de chair. Que cette prophétie se réalise dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. As-tu un ami dans la vie? Amen. Gloire à Dieu, merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ pour ce message. Pour cette belle petite méditation qui nous donne un coup de fouet et nous rappelle que tout n'est pas perdu, mais tout n'est pas gagné pour autant. Le Seigneur a besoin que nous puissions participer avec lui à l'œuvre qu'il nous a confiée. Alors abandonnons la tiédeur, abandonnons la négligence, la nonchalance et soyons vrais devant Dieu, servons-le avec toute notre force. C'était la lettre à l'église de la Laodicée. Et le Seigneur termine toujours en disant que celui qui a des oreilles entende. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons rentrer maintenant dans notre session de prière. Et je voudrais vous demander à vous tous d'envoyer vos sujets de prière parce que nous allons entrer dans ce moment. Et par la grâce de Dieu, nous allons être richement bénis. Alors que vous prenez vos claviers pour écrire vos sujets de prière, nous allons écouter notre amie Floris Amali qui chante Saint-Esprit. Nous en avons besoin dans notre vie au quotidien. Nous revenons juste après pour ces moments de prière et d'intercession. Restez des nôtres. Et la consolation. Nous levons nos mains aujourd'hui pour te recevoir, Saint-Esprit. Viens habiter dans ces cœurs meurtris. Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens embraser nos cœurs, comble-nous de ta présence, Saint-Esprit. Saint-Esprit, consolateur, révèle-toi dans nos douleurs. Saint-Esprit, dans nos nuits, sois le jour, dans nos cœurs, sois l'amour, sois la joie, le sourire qui nous anime. Fais-nous entendre ta voix, fais-nous saisir ta loi, que la lumière de ta flamme nous illumine. Oh yeah, Saint-Esprit, révèle-nous le Père, lui
qui nous forma de ses mains et de sa terre. Saint Esprit, montre-nous sa puissance, son amour, sa clémence. Saint Esprit, brise nos liens amers qui le rendent sévère. Donne-nous de l'aimer comme il nous aime. Qu'il ne s'arrête jamais de nous donner ce qu'il promet. Que sa parole nous anime et nous entraîne. Sans toi, Saint-Esprit de gloire, nous tomberons en chemin. Que ta lumière nous éclaire, Saint-Esprit. Fais-nous saisir la victoire, rassure-nous du lendemain. Saint-Esprit, ne nous abandonne pas. Éclaire-nous chaque jour sur le chemin. Montre-nous Jésus-Christ, ce Dieu qui vint s'offrir en sacrifice. Montre-nous ses blessures, montre-nous ses meurtrissures. Fais-nous comprendre que sa mort est notre salut. Éloigne-nous du mal, fais jaillir dans nos cœurs l'envie de saisir ce salut. Sans toi, Saint-Esprit de gloire, nous tomberons en chemin. Que ta lumière nous éclaire, Saint-Esprit. Fais-nous saisir la victoire, rassure-nous du lendemain. Saint-Esprit, ne nous abandonne pas. Éclaire-nous chaque jour sur le chemin. Oh, Saint-Esprit, viens combler nos vies. Reste à jamais le maître de nos vies. Oh, 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 yeah. Fais-nous saisir la victoire, rassure-nous du lendemain. Saint-Esprit, ne nous abandonne pas. Éclaire-nous chaque jour sur le chemin. Oh, 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 ah. Puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. There is power in the blood of Jesus Christ. There is power in the blood of Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Notre Dieu, notre Père, nous venons à toi ce jour étant fatigués et chargés. Nous venons à toi ce jour, Seigneur, parce que nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. Nous venons à toi ce jour, Seigneur, parce que nous savons que tu nous aimes d'un amour incommensurable. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner, de nous laver dans le sang de Jésus-Christ et de nous donner, Seigneur, d'être digne de nous placer devant toi pour te présenter nos sujets de prière. Père éternel, nous avons péché contre toi. Nous nous sommes rebellés contre toi. Nous avons été corrompus. Nous avons été dans la compromission, Seigneur. Nous ne sommes ni chaud ni froid, Seigneur. Nous avons marché pendant longtemps dans la tiédeur, dans la neutralité, Seigneur. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner. De nous pardonner et de nous laver dans le sang précieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de le faire.
Merci Seigneur de recevoir nos sujets de prière. Merci Seigneur de nous exaucer du haut des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Yes, man. Praise the name of the Lord Jesus. Seigneur notre Dieu, nous voulons te présenter nos frères et sœurs. Nous te présentons nos frères et sœurs qui sont frappés d'une manière ou d'une autre. Nous te présentons nos frères et sœurs qui sont fatigués de courir tous les jours, qui sont fatigués d'être la proie de l'ennemi, Seigneur. Nous te présentons Erla Eli qui demande la protection, la victoire, la sécurité, la libération pour Princesse Ruth Célestin, Déborah Célestin et Yarov Célestin. Seigneur notre Dieu, dans ton amour immense, puisses-tu visiter tes enfants, susciter et donne-leur, Seigneur, tout ce dont ils ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te présentons Mère gélante, peace. Seigneur, puisses-tu la bénir abondamment. Puisses-tu bénir sa famille également et te souvenir d'elle lorsque tu reviendras, Seigneur. Merci beaucoup de le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous te présentons Jésus la Sainte-Ville. Demande de prière pour moi, Seigneur. Tu es le médecin par excellence. Tu es celui qui guérit en profondeur et qui guérit véritablement. Tu guéris nos âmes, tu guéris nos corps, Seigneur. Je te prie d'étendre ta main puissante sur ta fille Jésus la Sainte-Ville et de la guérir de toute maladie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te présentons Richeline Dorsely. Elle demande de prier pour elle afin qu'une restauration totale puisse prendre effet dans sa vie. Seigneur, tu es celui qui restaure ce qui a été volé par le diable. Tu es celui qui restaure ce qui a été détruit par le diable, Seigneur. Je te prie d'intervenir dans la vie de ta fille Richeline Dorsely afin de restaurer sa vie entièrement. Donne-lui au double ce qu'elle aura perdu, Seigneur, afin qu'elle puisse chanter tes louanges au quotidien, au nom de Jésus-Christ. Our sister Lucita Dyer says, please pray for me and my family, and please pray for my church. Lord Jesus Christ, we know you are attentive to what is happening here right now. And we want to pray in a special way for the family of our sister Lucita Dyer. You know this family, oh Lord, and you know in what they are passing through for many years now. We pray, oh Lord, and we commit this family into your hand. May you take care of them. Let them be under your protection and under your care. Let them be under your shoulders. Thank you, Lord Jesus, for protecting them, for providing for them. And let them give that testimony in due time for all the wondrous things you are going to do in their life. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. Nous avons notre sœur Edmo Béatrice qui dit « Force, courage, augmentation de ma foi, espérance, patience, endurance, persévérance pour moi. » Seul Dieu est capable
d'un tel miracle. Et nous crions à notre Dieu et nous lui disons, Seigneur, interviens. Interviens, Seigneur. Interviens dans la vie de ta fille, Edmo Béatrice, afin que jamais elle ne puisse abandonner le chemin. Afin que jamais sa foi ne faiblisse, qu'elle puisse persévérer jusqu'à la fin. Merci Seigneur de le faire. Merci Seigneur de la bénir. Au nom de Jésus-Christ. Mère Jelan Peace dit merci Père éternel pour ta patience envers nous. Que ta clémence soit sur nous tous en cet instant. Alléluia. Let it be so. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, for all what you have been doing every day in our life. Dear brothers and sisters, the time has come for us to leave this place. But I know God is faithful, and all what He has promised for all of us is going to fulfill it soon. What we have to do is just to keep trusting in Jesus Christ. And in due time, He will bless us. Le moment est venu de bénir le peuple de Dieu. Recevez la bénédiction en ce jour. Père éternel, nous te disons merci Seigneur de nous avoir, Seigneur, donné la force d'être là. De nous avoir donné la force afin que nous puissions avancer tous les jours. Nous avons étudié ta parole, Seigneur, et nous sommes convaincus du fait que nous devons être plus que tièdes. Nous sommes convaincus, Seigneur, que nous devons être bouillants pour ton service. Merci, Seigneur. De nous donner une double portion de ton Saint-Esprit afin que nous soyons capables d'avancer. Seigneur, tu béniras tous ceux qui sont dans le travail, tous ceux qui font face à quelques difficultés professionnelles, tous ceux qui font face à quelques difficultés médicales, sanitaires. Tu es le Dieu qui soutient et qui n'abandonne jamais ses enfants. Puisses-tu soutenir tes enfants comme tu l'as toujours fait, afin que ton nom soit glorifié à tout jamais. Peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur tourne un regard favorable vers toi et te donne la paix. La paix dans ta famille, dans ton cœur et partout où tu seras. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, non pas demain, mais lundi, pour une nouvelle émission de prière. Dimanche, vous l'avez remarqué, nous faisons une émission en langue natale, qui est le Bassa, afin que ceux qui n'ont pas la capacité d'écouter et de comprendre le français et l'anglais, soit le français, soit l'anglais, soient quand même instruits au moins une fois par semaine. Vous l'avez certainement remarqué. Tous les dimanches matin, il y a une méditation qui passe en langue Bassa, afin que ceux qui ne comprennent que ces langues, cette langue soit également édifiée. Continuez à me garder dans vos prières, continuons à prier les uns pour les autres, et que le Seigneur nous bénisse abondamment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. As-tu un ami dans la vie?
volée. Spirituelle. Croissance spirituelle.